Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Pourquoi êtes-vous venu ici ce matin ici ? Écoutez, parce que d'abord, je voulais. D'abord, je tenais durant ce voyage à venir à Oran et pas simplement être à Alger. C'était un moment aussi pour rendre hommage à toute l'Algérie, aux Algériennes, aux Algériens, à la diversité de l'histoire, des histoires, des cultures, des religions. Et le moment qu'on vient de vivre juste avant Santa Cruz était magnifique et nous a permis avec Mgr Vesco de voir tout ce qui a été fait ces dernières années, ce passé aussi chrétien, cette vie, ce dialogue entre les religions. Et évidemment, je veux avoir aussi une pensée pour Mgr Clavery dans ce moment. Et puis je tenais à venir à Disco Maghreb. Écoutez, parce que d'abord, ça a été et c'est encore l'épicentre du rail et donc d'une culture populaire, création de tout le Maghreb et de l'Algérie, d'immenses artistes qui ont compté, qui ont bouleversé des générations, celles qui ont vécu avec, y compris celle d'aujourd'hui. On parlait de Chebazni tout à l'heure. Il est clair que, on en parlait aussi avec hier Kamel Daoud, dont c'est la génération, et me disait combien pour sa génération, c'est sans doute l'un des événements qui l'a le plus marqué, l'assassinat de Chebazni. Et pour les jeunes générations, elles continuent à l'écouter, à le vivre. Et je crois que ce dialogue entre les générations, c'est DJ Snake qui l'a en quelque sorte signé en remettant à la lumière ce Disco Maghreb, Boualem et tout ce travail. Et je pense que ce dialogue entre les cultures, entre les générations, mais qui montre la vitalité d'immenses artistes, de création, de divas et d'immenses artistes qui sont là, entre les générations, c'est aussi une manière pour moi de témoigner mon respect, mon admiration et mon goût. Merci, monsieur le président. Voilà. Merci beaucoup.